Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac pour voir ensemble comment modifier la taille d'un objet tout en le laissant centré. Imaginez par exemple que j'ai ici un objet, ça par exemple mon petit logo, et j'ai envie qu'il soit au milieu de ce carré blanc, mais je suis pas trop sûr de la taille du logo, donc j'ai envie de tester plusieurs choses. Si je veux par exemple le rétrécir, je peux faire tout simplement comme ça, le rétrécir, puis le recentrer, ou bien le rétrécir d'un côté, puis le rétrécir de l'autre. Mais vous voyez que bon, à chaque fois il faut un petit peu tester à vue de nez, voir la taille que ça a, puis le redéplacer pour voir le résultat final, c'est pas top. Ce qui serait vraiment cool, c'est de pouvoir le laisser centrer et modifier directement la taille de l'objet. Et bien ça c'est possible, pour ça il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée, puis de se mettre dans un coin de notre objet, et là je peux modifier sa taille et voir du coup le résultat directement, tout en le laissant parfaitement centré. Et dès que j'ai trouvé la taille qui me convient ou que j'aime bien, et bah je peux tout simplement relâcher ma souris, relâcher le bouton Alt, et j'ai du coup modifié la taille de mon objet en le laissant centré.